Et bonjour à toutes et à tous, c'est TheVosges, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur League of Legends. Aujourd'hui on est sur un petit peu les tentatives de nouveau stuff, hein, à vrai dire. Voilà, donc là on est sur Zoé, ma petite Zoé midline, alors importante. On va essayer de jouer la petite mobilité là, on en avait parlé la dernière fois, je sais pas si vous vous en souvenez sur la vidéo où je découvrais hein, au final le patch. Ok, on est sur. J'aimerais mettre en popular les Luden, qui donne de la vitesse de la move speed, de la vitesse de déplacement, et le cosmic drive qui en donne aussi. Donc ça me donne plutôt envie. Alors, ok, il y a Malphite qui était en train d'essayer de déward. On va essayer de partir là-dessus et on se donne rendez-vous dès le début de la game comme d'habitude. Ok, on est type A, on est sur la phase de line là. Alors on va essayer de farm un maximum tout en mettant la pression au bro parce que bah voilà, c'est Yone normalement mid line. Donc bah voilà, on va essayer de mettre un maximum de pression. Je connais pas le champion donc ça m'arrange pas pour le coup, mais bon. Ça devrait être tranquille, non? Là je sais qu'il peut dash un peu à la Yasuo. Voilà, donc ça c'est dodge. J'ai Tonic Warp donc je m'en fous un petit peu de ce qu'il veut me faire. On pourrait mettre une auto carrément. Hein. On va attendre la comète, on va aller le repos, qu'on va attendre le niveau 2 aussi. Là il attend son jungler en fait, donc ça fait un peu chier. Vraiment là. Bon, je pense que c'est tranquille. Là, on a assez de mana pour continuer à le poke. Tac, tac. On le retouche tranquillement. Là, il prend des dégâts. Bon, il était un petit peu AFK. Il est en train de regarder, à mon avis, les items hein, aussi. Forcément. Ça le tuera pas, mais on peut remettre encore éventuellement l'auto. Un peu regrettable ça. Le jungler va arriver, bon. Bon, la Mumu va être un petit peu vénère, mais tranquille. Ah ouais. Débile. Voilà, 350, bon, on va attendre forcément, parce qu'on a un meilleur stacking de la paix dessus, donc c'est intéressant de le prendre en early, je pense. On a plus les potions qui sont boost, bon, dans tous les cas, on a le Tonic Warp et on a les... comment ça s'appelle? On a les biscuits qui vont être délivrés encore, 4 minutes, 6 minutes, donc ça va. Dark Seal qui monte à 50 d'AP, donc c'est quand même assez fort, mine de rien. Oh, Lori qui va saouler du coup, qui a été invade, mais bon, sans trop de réussite, mine de rien. Nous là ce qu'on veut c'est lui mettre le plus de dégâts encore et encore là. Bon ça c'est rip je pense. Ok, bon, on a réussi à en choper un, c'est déjà pas mal. Et bah là on est reparti pour continuer. Il va vouloir mettre son dash sur son Q là. Et voilà. Attention à ce qu'il retourne pas. Et on veut pas lui mettre plus de dégâts. Il a son shield, je comprends pas comment il marche son shield, mais tranquille. Je l'aurais pas. Oh je l'aurais eu. Ah oh, c'est dommage ça. Ah oui, j'ai les Masteries sur Zoé. C'est pas mal. SS. J'ai pas de chance sur Melasti. Oh, ça va. Bon, Warwick, j'ai trop peur de lui. Au cas où ils veulent go in. On peut lui mettre des autos là. À tout moment on peut lui en mettre des bonnes. Toi ça fait chier putain. Il est censé mourir mais bon. Oh. Oh garçon, attention quand même là. Attention mon garçon. On va prendre le cookie, on a besoin de mana. Warwick. Ok, je vais rester bot side là, ça pue Warwick. Après il a Warn, peut-être qu'il a pas de vision non plus, mais en tout cas nous on veut passer niveau 6 donc assez tranquillement. Là on veut juste attendre qu'il sorte TP out. Ok, Warwick s'il vient ça devra aller. Je me doutais que c'était ça un peu.
Tranquille, les amis, tranquille. Oh non, mais là, on laisse pas faire. Hein. Oh, vraiment. Après, si on le voit, genre il... J'ai mon flash, moi, y a pas de souci. Ok, bon, on est bon. Il va vouloir me go in. Hein. Oh, il m'a touché, vraiment. On devrait, ça devrait le faire, mais bon. Y a Warwick, hein. Ça veut pas le faire, ça me saoule. Ça a l'air d'aller. On a le Rabadon là? On a le. Pardon, le Luden? Ok, on a le Luden. On va voir la mobilité qu'on gagne grâce à ça. Ça peut être vraiment super avec Zoé. Hein. Dommage, j'aurais bien aimé cancel mon bac parce qu'il va full push. Là, on veut les bots. Donc, c'est le prochain item à acheter. On veut juste une pink. Ouais, Luden, faut peut-être pas le one shot comme ça. Je sais pas s'il faut rush encore les bots ou. Ouais, tout le monde a l'air de prendre des bots. Ça a l'air d'être important quand même. Je suis pas trop un joueur bot moi, mine de rien. On peut prendre des Mercuries, hein. On prend clairement ça nous. C'est pas grave, ça va. Nous ce qu'on veut c'est mettre un peu de vision. On met un peu de dégâts. Si on est vu, on est mort. Mais bon. Merci, Fi. Dommage. Je peux pas faire plus là-dessus. On a plutôt bien joué. Voilà, on pêche comme on peut. On prend l'XP. Là, on part sur le cosmique machin. On va juste prendre les bottes, hein, bien sûr. Ah bah ouais, mais garçon. Là, tu le fais au pire moment, mais c'est pas grave. Ça arrive. On met all item, favori. On veut le cosmique, donc ça part là-dessus. Donc bon, on peut pas, donc c'est pas grave. On reprend une pink. Ok, bon, ça va. Ah bah merde, de toute façon. Ah, mais regardez le Medjay, on l'a déjà stack. On a déjà stack le Medjay là? Ah oui, on est en 8-3 en effet. On va voir le direct, c'est nickel, hein. On a la tourelle en plus. Les stacks là, attendez, du coup là on a 50 d'AP, c'est ça? Ah, on a 50 d'AP. C'est quand même assez ouf, hein. À la saloperie, comme on dit. J'espère, hein. Il y a ses ward, mais on peut pas loger. Ok, donc bon, pour l'instant le stuff est plutôt forme. Voilà, hein. Je crois qu'il y en a un rush kit d'ailleurs. Comment là on peut revendre comme ça? Ouais, ça c'est cool, c'est trop bien pour revendre, franchement. Super. Donc là on a masse mobilité grâce à ça, on est d'accord. Genre là si je touche mes sorts, mes autos. Ouais, ouais, go. C'est quoi cette épée là? Super. C'est Lulu, vous inquiétez pas les amis. On a eu le Drake, super, hein. J'ai même pas besoin d'être là, donc c'est vraiment cool. Et puis on va gagner gentiment, parce que bah Yone et AFK, du coup, bah ça va être la win. On va juste essayer de voir le burst qu'on peut mettre à Lux par exemple. Ok, bon bah.
Super, elle meurt à l'ignite. Ah! Il manquait un peu. C'est pas gentil ça. Non, non, faut push. Lux, elle peut. Ouais, voilà, elle peut juste faire ça. C'est un peu débile les dégâts qu'on fait, mais bon. Ok, j'ai abusé parce que là je suis clairement mort, mais bon. Oh là là. Non, bon bah c'est fini, on n'aura pas eu le temps de voir. Bon bah le stuff marche, on peut dire ça ou pas? Oh non, oh, c'est vraiment dommage les amis, j'aurais bien aimé bah pouvoir avoir une utilité. Bah, on a fait rush kit le midliner en face, si on peut être content de ça, je sais pas trop. Au nord, l'histoire, les dégâts qu'il avait, ouais, j'ai envie de voir ses dégâts quand même. Moi je suis pas trop là au. Ok, bon j'ai eu un S, why not. Ouais si en fait je suis low dégâts, je suis top dégâts. Fillion ouais AFK du coup, bon on va report ce genre de merde mais bah c'était bien. Puis on va mettre négative attitude puisqu'il live la game quoi. Bon bah voilà bah on se laisse et puis bah on espère faire une meilleure game pour les prochaines fois. Alors, la prochaine fois ça sera un petit Vegar, on va le tenter tank, ça va être plutôt rigolo je pense que là je vais enchaîner sur un Vegar tank, on va essayer. Bon allez bisous tout le monde et puis passez une bonne journée.